fait. Minuit. 106.1 FM. Une tradition de radio belle et intelligente. Wow! Depuis 1935. 24 ans. Journal Alter Radio. 24 ans, information besoin sous Alter Radio. Bonjour, bonsoir tout le monde qui a écouté 24 sur Alter Radio 106.1 FM stéréo sur www.alterradio.org ou sur TuneIn avec toute la plateforme internet yo. Mes principales informations nous présentons dans l'édition 24 qui a venu. Entre lundi 25 pour arriver dimanche 31 juillet 2022, 11 monde mouri avec 160 autres blessés dans accident sur route dans le pays d'Haïti d'après service technique à coopération pour prévenir accident machine avec motocyclette et stop accident. Lundi 1er d'août 2022, 3 autres monde perdu la vie dans un cocaine chain accident dans machine dans Pétionville. 1er d'août 2022 a fait 16 jours depuis journaliste Alter Press Edner Desim nan men kidnappé nan pays d'Haïti sans autorité ou pas dit ni fait rien. Li pas normal pour journaliste Edner Desim nan men bandi exam depuis dimanche 17 juillet 2022 sans la police pas fait rien pour faire la guille ak plusieurs autres monde. Yo kidnappé depuis plusieurs jours, c'est dix organismes droit moun Fondation Jiklere FJKL qui dénonce complicité entre autorités ak bandi aksam yo k'ap simaye la tire sans garder derrière. Kidnapping c'est yon zak ki maspine liberté moun genyen pour faire sa vle d'après réseau national k'ap défendre droit moun yo qui critique la police qui pa fait rien pour kwape pichon kidnapping yo. Pa gen pièce secteur qui participe à kidnapping bandi aksam, société a dwe goumen contre tout zak criminel sa yo ki lage dlo nanje la kay anpil fami nan peyi a, se dizon komisyon l'Eglise Katolik Roumen Jistis ak la Pe Jilap. Populasyon dwe kontinye fè presyon sou otorite yo pou fè rive lage tout moun ki an ba men kidnapè aksam depi plizye jou dabre kolektif 4 Desem 2013. Dimanche 31 juye 2022 a 4 mamb Institut National Formation Profesyonel ki tapral bay examen pou l'Ekol Profesyonel nan Port-Paix Depatman Nord-Ouest blesi an babal bandi aksam nan komine Goumen. Vendredi 29 juillet 2022, bandi aksam kap opere nan Tibwadom, Goumon, depatman la Tibonite, asasine yon dam Wolis Kofi epi kidnapé 30 lot moun ki te nan yon bus ki tap soti nan fèt champèt an sa foule, depatman Nord-Ouest, peyi d'Haïti. Dimanche 31 juillet 2022, la polis pilat depatman Nord peyi d'Haïti arete Rousni Hiller ki gen ti non jwet Dawowo ki tap fè tèt li pase kom ajan la polis ak uniform la polis sou li. Union peyi Europyo ansanm ak ambasade Almay, Espany ak la Frans nan peyi d'Haïti monstre sou fason gang aksam yo ap pilone dwa moun nan peyi d'Haïti kote nan denye semen yo, yo asasine plizye santen moun, fe disparet an pil lot ak pouse do plizye mili lot moun ki blije deplase kite ak tout boulin kote yo terete yo. Se titio ak divers lot nou wale devlope pou nan edisyon 24 kap vini. 24 Jounal Alter Radio. Li soti a 6 di swa, li pase tou a 10 di swa, minui 4 ak 5 di maten epi midi. 24 informasyon nou bezwen sou Alter Radio. Bienveni nan devlopman 24 an abdima jounal la kondisyon tan, posibilite ti aktivite la pli sou plize tetmon nan peyi da iti yo. Malgre gen mwen sa imidite, sou zile ka aibyo, bouleves lokal nan tan pral bay ti aktivite la pli nan aswe espesyalman sou tetmon debatman no la tibonit sid grande sak nip. Koumansman apremidi lundi 1er daout lan, gen van kap soufle sou debatman peyi da iti yo panan jounen an, gen gwo soley nan matin ap gen nuaj nan apremidi ak aswe. Nivou chale a kontinye wo sou tout debatman peyi da iti yo. Soti nan nivou 36°C, temperati an pral desan ant 28 pral 24°C nan aswe. De tan, yo va evite rentre nan fon la mer kap mouve anpil anpil. Kapten Bato Chaloup, boafouye yo dwe toujou pren prekousyon nesesè yo bo tout kota peyi da iti yo. Vag yo ap monte nan nivou 8 piye ou te ni bokot Sidyo ni bokot nan peyi da iti yo ank 6 piye ou te bokot Zile Lago Navyo patwa lwen Port-au-Prince.
Nan chapit insekurite sou route yo ant lundi 25 pou rive dimanche 31 juye 2022, 11 moun mouri ak 160 lot blese nan aksidant sou route yo nan peyi d'Haïti dapre servis teknik ak operasyon pou preveni aksidant machine ak motosiklet yo e stop aksidant. Dapre stop aksidant, se yon kantite 36 aksidant ki fe yon kantite 171 viktim nan divers zon nan peyi an. Toujou nan menm chapit, insekurite sou route yo lundi 1er daouta 2022, 3 lot moun an perdi la vi yo nan yon koken chen aksidan machin nan Petionville. Dabre informasyon ki disponib, dram nan pase apre yon tota prado ta perdi fren, sa ki la koz plize moun blese yo te blije kouri avek yo l'opital an ujans. Nan chapit insekurite, 1er daouta 2022 a fe 16 jou depi jounalist Alter Press Edna Desim nan me kidnapè nan peyi d'Haïti san otorite yo pa di ni fe anyen. Li pa normal pou jounalist Edna Desim nan me bodi aksam depi dimanche 17 juye 2022 san la polis pa fe anyen pou fe la gel ak plize lot moun yo kidnapè depi plize jou. Se dizon organisa do amoun Fondasyon Jekleri FJKL ki denonse komplicite ant otorite yo ak bandi aksam yo kap si ma e la tere san gade deye. Nan se sa, FJKL di la mande selul ki ande dan direksyon sentral la polis judisyè de CPJ1 pou yo montre ou mwen yap travay pou yo kapab jwen liberasyon jounalist Edna Fils Desim. An koute direktris ekzekutif FJKL la. Marie-Hélène Gilles, ka pote plis detay pou nou. Nou kwen ke li enkonsevab pou yon jounalist ki bien konu, ki se Edner Fils Desim, ke bandi aksam pran avèk divers lot moun, la polis jiska kouni la pa jèm fè anyen pou wè koman yon kapab li me bere jounalist sa, menm jan avèk plizèr lot moun ki yon kidnapè. Jodi a ki lèk tu kap fèt nan sosyete a, an diyan nou son ti si la ki la pou yo proteje ni yo fè yo komplis de bandi yo. Kan yo beze passage, yo jen passage. Kan yo beze fèmè, yo fèmè. Sè ta diyo ke ou son ti bon komplisite ant otorite yo avèk bandi yo pou yo kapab depouye populasyon, teorize populasyon, apouvri populasyon. Kidnapping ki fèt sou Edna la li montri nou sa kle. Ou te ouve padan tout wikend nan pou se yon aktivite te fèt. E mèkodi pase nou wè ou demonstrasyon de fòs ke bandi yo te fèt e tout prepare nasyonal nan tout bout an ba kote pres. Jodi a li kler, son sol ou vwa pou nou tout apmete pou nou mè mande liberasyon Edner. Edner sol vwa moun fò minyote ekip de sot kidnapi. Ki fò pa ket jou nan mè bandi yo. Nou kwen ke li mèm li pa kapab kontinwe a viv situasyon sa nan mè bandi yo. Otorite, la polis, selil ki la an den de CPJ, fok ou mwen yo montre yo bon responsabilite, fok ou mwen yo montre yo bon travay ki ap fe, yo kapab intervenu pou liberasyon Edna ki nan men bandyo depi plus ke 2 semen. Sete direktris ekzekutif FJKL la, Marie-Hélène Gilles. Kidnapping se yon zak ki maspine libeté moun genyen pou fè sal vle dapre rezo nasyonal kap defendo amoun yo ki kritike la polis ki pa fè anyen. Poukwa pe pichon kidnapping yo? Responsab program nan RNDDH la, Marie-Rosie Auguste du Sénat, kritike otorite nan la justis yo ki pouko jam kondane oken nan kidnapè yo soti 2018 rive nan l'anè 2021. Sa ki eksplike kidnapè yo vin pi a ou gan. Li kritike tou le fèt la polis plis voye fami viktim yo al negosi ak bandi yo ou liye yo fè dilijans pou yo ta jwen liberasyon yo. An koute responsab program nan RNDDH la, Marie-Rosie Auguste du Sénat, kapote plis detay pou nou. RNDDH apren avèk d'ayèr anpil tristès kidnapping de jounalist Edna Desim ki jenè jè di a genyen 2 semen nan men ravisheur li yo. E de ravisheur ki ap exige gwo som l'ajan ke de manyè genèral fami a yi sèd mèm pa genyen ou du mwen ou tout pa de gwo som l'ajan ke y ap fè moun yo exijan swa pou yo tap vèn tout sa yo posede ou de tout sa fami an posede pou ke yo libere yo. Donk, se ki an fè, an situasyon kon sa, se an situasyon pou fè deplorable nou eseye kompran e ke koleg e konfrèr e konsyèr de jounalist Edna Desim mette avèk fami ap vive nan fè, jounè jò di ya la porsè ke E nou konen ke de manèr genèral, loske yon moun li kidnapè, li vitim, li nanè la vise li, la vil tenu an ou fil, e nou tenu kont de tout
l'autre cas qui compense et qui continue mal. On dit que nous-mêmes au niveau de l'UNIDH et nous condamner kidnapping en général. Nous condamner parce que c'est un atteinte grave à la liberté de tout le monde qui est lié. Et Jean que je ne veux dire, il y a fait systématiquement partout dans le pays et de manière plus particulière au niveau du département de l'Ouest là, et que l'autorité eux-mêmes fait l'enjeu sur différents cas par eux. Donc nous répétons que non seulement c'est un atteinte à la liberté, mais violation systématique de la de liberté ça que nous gagnons pour nos citoyens. Liberté, ça, que nous gagnons pour nous vivre, pour nous vaquer à l'occupation, nous le nous voulons, côté nous voulons, et bien, autorité l'État, il est impliqué jusqu'au coup dans la violation systématique. Ça. Même j'entends, au niveau de la police, nous capables de nous estimer dans RNDDH que nous n'avons pas contre le phénomène, ça, nous n'avons pas pourquoi le phénomène kidnapping, ça. Naturellement, grand plus l'autre question qui est capable de poser, qui est capable de essayer de comprendre pour qui ça, est-ce que la police est amorphe vis-à-vis de phénomène, ça. Même gentil, et la justice va côté par lui, et comme nous l'avons dit, l'impunité qui a blâmé d'abord premier bénéficiaire, c'est bandit armé, et qui n'a pas expliqué que, pas bien, aucune sanction qui prend de 2018 jusqu'à jeudi, jeudi, aucun kidnapper, et c'est ça qui explique que le deux jours en jour, a pu avoir un kidnappé, il a fait, dans le sens que, il a kidnappé mon au grand jour, dans le sens que, il a pris des mounes pendant un pile temps, ça qui est normalement dans un pays côté force de l'audio abîmé, ça baille force de l'audio tout, possibilité pour rejoindre côté Mounio Kende et en captivité, alors que nous rendons compte que la police même les plus voyées et familles victimes ou bien proches victimes aller négocier avec les ravisseurs. Pour nous-mêmes au niveau de RNDDH, nous avons exigé libération sans condition de journalistes et bien victimes. Parce que nous, je nous disons, et nous devons une atteinte grave à la liberté, et pas bien un lien qui a expliqué que non seulement d'une part, atteinte ça continue à faire à l'encontre de journalistes bien, mais en plus de ça, tout, pas bien un lien tout qui est capable d'expliquer que le monde lui retrouve nos situations comme ça. Donc pour nous-mêmes, c'est clair, faut ravisseur yo lagué journaliste bien du tout. C'était responsable programme dans RNDDH là, Marie-Ozy Auguste du Sénat. Pas gen pièce secteur qui participe à kidnapping bandi exam, société a doué continuer goumen contre tout zak criminel sa yo qui lagué de l'onanger la caille en pile famille dans pays a, c'est disons commission l'église catholique romain justice à la paix JILAP. Directrice exécutif Commission épiscopale l'Église catholique romaine justice ak la paix JILAP la continue mande autorité yo pour yo faire diligence pour yo capable libérer tout monde qui en bas main ravisse yo. An koute directrice exécutif c'est JILAP la Jocelyne Colanoel qui a porté plus de détails pour nous. Nous même dans la commission épiscopale nationale justice ak la paix nous condamnons tout acte kidnapping qui a fait yo et sous quel que soit monde acte kidnapping yo a nous, ouais, pas aucun secteur en dans société a qui épanier. Tout secteur dans société a cibi, zaké kidnapping, qui tue l'argent, qui tue bagué l'argent, qui tue dans vos institutions, qui tue dans tes institutions, qui tue pas prévu. Même en dans société a, donc, ouais, yo, des mouns dans tout côté dans pays a, et surtout dans la zone métropolitaine qui est victime de Zak et kidnapping. Donc nous-mêmes, nous condamnons la qualité de Zak Sayo et nous demandons tout le monde qui est victime de Zak et kidnapping, ou bien tout le monde et l'auteur de Zak Yo et qui est nommé Yo. Donc nous-mêmes, tout le monde qui a kidnappé, tout le monde qui est nommé Ravisse. Parce que moun y a kidnappé yo, c'est pas eux même qui mette pays à la situation liée. Et en plus de ça, nous croyons que qualité de kidnapping qu'a fait yo, qualité l'argent y a pendé yo, c'est pas l'argent malheureux possédé. Et nous croyons tout, c'est pas malheureux y a utilisé pour faire ça kidnapping ça yo tout, qui a utilisé l'argent ça yo. Donc nous croyons que gagner une prise de conscience. Nous pouvons nous, femmes et garçons, dans le pays, à besoin pour être capables de lutter contre la qualité des actes criminels. Et nous avons toujours demandé aux autorités pour agir, pour être capables de libérer tout le monde
ki vitim Zakit Davin ki dame la vise. Sete direktis ekzekutif Gilles Lapla, Jocelyne Colanouel. Populasyon dwe kontinuye fè presyon sou otorite yo pou fè rive lage tout moun ki an ba men kidnapè a exam depi plize jou dabre kolektif 4 Desembe 2013. Koordinatè kolektif 4 Desembe 2013 lan, Jean-Robert Gant, panse sityasyon Katchouboumbe peyi a trouvè la, se rezultat mouvès gouvenans, se rezultat komplicite otorite yo nan l'Etat ak bandi a exam yo, se rezultat tou insousyans otorite yo ki pa jam fè anyen pou kwapeza kidnapping Aksak, insekurite nan peyan, an koute koordinatèr kolektif 4 Desembe 2013 la, Jean-Robert Gant, ka pote plis detay pou nou. Mobilizasyon pou la, ou sa peyan, mba kolike fèl kage, pas sou moun tavante yo, men, si pou mase du prensip ki ravise yo, se de moun ki se fwa ni lwa. Donk ki, vreman, sa pa interese yo, ke ou pou la ou pa pou la ou. Menan, le, mwen se ke, kote pou nou adese nou, se moun ki responsab peyan, ki va fè rè, et se sou yo pou t'apresyon pou debouye ou jan ou konè pou ke non simplement jounalista, men tout bon moun ki viktim de terorisme sa ki etablia ki ou ben nou kon sa pou fè ou sinon pou ou men me degati de kote ou yè parce que nou pa nou, population nou men nou pa la simplement pou nou ba neg jou privilèj pou vwa, men nou pa neg neg ki vle pou vwa pou konè ke ou de responsabilité, et que pour yon pouvez pas s'aller. Et c'est yon pour d'accord avec pression. Nou wè, de jou an jou, situasyon la pampire, donk insekurite a la vale teren. Bon kote pa nou, nan sosite sivil la, koman nou wè situasyon kap devlopè se denye jou sa yo? Bon, sa se la rezultat de l'inkompetans de vremen bay chavage. Non. De tapre se di de komplicite de gouvernance qu'il a cet pays, parce que c'est comme si c'est pas problème, yo, que vous trouvez combien de monde dans sa ville, que vous trouvez combien de monde dans l'air, que vous trouvez combien de monde dans le village de Dieu, ça pas semble problème du tout. Et ce qui est dramatique, c'est que malheureusement que c'est des mondes comme ça que nous gagnons capacité pour voir là. Donc nous croyons que c'est une preuve flagrante de leur insouciance et pour le dire que cela et c'est une preuve que les temps et plus que temps de population nous dans la population de chaque secrète là pour que nous finalement gagnions un pouvoir légitime et, à la gouvernance de notre pays et non des individus ou des congés déposés ou bien posés et des fonctions régaliennes ou des fonctions de côté au guet pour proposition pou citoyen, pou proteksyon citoyen. Donc c'est là que nous avons problème. Et il est temps, il est plus que temps que nous commençons à créer des mondes intègres, honnêtes, sérieux, patriotes, qui pensent pays, qui pensent concitoyens, et qui ne pensent simplement tête, à poche, à clique, à clan. C'est le monde qui pensent pays, c'est le monde qui pensent population. C'est eux, nous devons pouvoir légitimer la remplace et le plus vite que possible. C'était coordonnateur collectif 4 décembre 2013, là, Jean-Aubert Argan. Sou Bopal, alermi Pierre Vilouis ki se yon nan responsab nan platform Haitien Kap Defendwa Mounyo, POHDH, denonse za kidnapping ki fet sou jounalist Edner Fils de Simnan. Li panse, sante jounalist la kapab afekte apre kantite jou sa yo, nan se sa la mande otorite yo aji prese pou yo kapab jwen liberasyon jounalist Edner Fils de Simnan. An koute alermi Pierre Vilouis kap pote plis detay pou nou. D'abord, nous, au niveau POHDH, d'abord, nous avons exprimé solidarité, nous, avec famille et journaliste Edner Décimé, qui est dans le crise et kidnappé depuis le 17 juillet 2021. Donc, je dis, ça fait exactement 16 jours. Et puis, journaliste et Iname et Rabi Serros. Donc, ma pote solidarité notou a ekipé Alte Presse, ki yo men me plonge nan douleur, nan situasyon inquietude, javek famiyan ki plonge nan situasyon soufrans. Kote, se jou, yo pa kapate joun liberasyon jounalistan. Donc, au niveau de POHDH, nou deplore et situation ça, nous déplorer
ça qui passait. Donc, ils nous préoccupaient en pile sur ça, parce que un jour après, il y a un pile d'inquiétude sur les journalistes qui trouvaient l'imamé à Viseo. Donc, ça préoccupait nous en pile. Et même gens nous connaissent que ça préoccupait en pile les, l'autre monde dans ce société-là, parce que les journalistes étaient bien destinés, pas capables à être personnels, ils ont travaillé. Et après, on a un pays qui ne suis pas sous conscience ou engagement de notre travail là. Donc, nous préoccupons en pile, et parce que nous connaissons tout, et santé journaliste pendant tout le temps, ça, qui s'est capable bien comme conséquence de santé, il a posé tout en pile question. Donc, au niveau des POAGH, nous-mêmes, il a exigé libération sans condition des journalistes vétérinaires de filer, et il a demandé à l'autorité la police et la justice qui prend toute disposition pour Ndarabadi et jeune libération et journaliste qui dans une situation je dis à côté gagner en pile inquiétude sur état de santé journaliste sur en tout cas qui sort qui est réservé à venir. Donc nous croyons une situation qui est intolérable, inacceptable et qui passe là. Donc on a demandé libération journaliste sans condition. C'est ça, on avait exigé. C'était une responsable à POHDHO, Alermi Pierre Villus. Toujours dans le chapitre insécurité, dimanche 31 juillet 2022, à 4 membres de l'Institut national formation professionnelle qui tapera le bail examen pour l'école professionnelle dans Port-de-Paix, département nord-ouest, blessé en babal, bandit à examen dans la commune Gaumont. Délégation ça, qui dégaine 4 membres là-dedans. Avec chauffeur yo, c'est employé ministère éducation nationale avec formation professionnelle qui t'a transporté examen officiel pour professionnel dans département nord-ouest PIA. Dans moment attaque ça, yo sorti blessé en babal bandi examen yo. Vendredi 29 juillet 2022 à bandi examen cap opéré dans Tibois d'homme Goumon, département la Tibonite, assassiné yon dame Rolise Kofi et puis kidnappé 30 autres monde. Quitté dans un bus qui t'a sorti dans fête champêtre en Safolé, département nord-ouest Pays d'Haïti. Dimanche 31 juillet 2022, la police pilote département nord pays d'Haïti arrêté Rousni Hilaire qui gagne sinon jouette Daouo qui t'a fait être li passer comme agent la police avec uniforme la police sous li. Rousni Hilaire gagne 32 l'année sous tête li d'après information qui est disponible pour Kounia li nan garde à vue et puis li ta gagne ti problème santé mentale. Union pays européen ensemble avec ambassade Allemagne, Espagne et la France dans le pays d'Haïti montré sous façon gang examio à pilonner droit monde dans le pays d'Haïti côté dans dernier semaine yo yo assassiné plusieurs centaines de monde fait disparaître un pilote et pousser d'eau plusieurs milliers d'autres monde qui obligé déplacer quitter à toute bouline côté yo terité yo. Parmi toute violence intolérable contre liberté fondale natale, population qui rete dans zone sa yo, sibi systématiquement, mission diplomatique nou yo di yo gen pile tête chargée par rapport à rapport qui fait quoi gen un pile zak violence sexuelle qui fait tout, parfois c'est un viol collectif victime yo sibi et gen ti fi qui tout petit ak ti garçon qui adolescent parmi victimes sa yo, gang exam yo utilise type violence spécifique sa yo pour tablier un climat la pérez pour anéantir toute volonté résistance et puis pour faire population yo soumettre yo ou soit déplacer quitter zone côté OTIA et type violence sa yo provoquer conséquences irréparables ak irréversibles sous victime yo ak sous ensemble communauté locale yo en général. 24h, journal Alter Radio. Li soti a 6h di swa, li pase tou a 10h di swa, minuit, 4h ak 5h di matin, epi midi. 24h, informasyon nou bezwen sou Alter Radio. 24 rive nan bout li nan praplo principale informasyon nou te prezante pou yo. Ant lundi 25 pou rive dimanche 31 juillet 2022 a, 11 moun mouri ak 160 lot blese nan aksidan sou route yo nan peyi d'Haïti dapre servis teknik ak operasyon pou preveni aksidan machine ak motosiklet yo e stop aksidan. Lundi 1er daout 2022 a, 3 lot moun perdi la vi yo nan yon koken chen aksidan machine nan Petionville. 1er daout 2022 a, fe 16 jou depi jounalist Alter Press Edner Desim nan men ki
kidnappé dans le pays d'Haïti sans autorité ou pas dit ni fait rien. Li pas normal pour journaliste Edna Desim dans mes bandi exam début dimanche 17 juillet 2022 sans la police pas fait rien pour faire la guille avec plusieurs autres monde. Yo kidnappé depuis plusieurs jours, c'est dix organismes droit monde Fondation Jiklere FJKL qui dénonce complicité entre autorité et bandi exam yo cap simaye la terre sans garder derrière. Kidnapping c'est un zak qui maspiné liberté monde gagné pour faire salver d'après réseau national cap défendre droit moun yo qui critiquait la police qui pas fait rien pour couper pichon kidnapping yo. Pas gen pièce secteur qui pas si bizarre kidnapping bandi exam société a dwe goumen contre tout zak criminel sa yo ki lage dlo nanje la kay an pil fami nan peyi a, se dizon komisyon l'Eglise Katolik Roumen Jistis ak la Pe Jilap. Populasyon dwe kontinye fe presyon sou otorite yo pou fe rive lage tout moun ki an ba men kidnapè aksam depi plize jou dabre kolektif 4 Desem 2013. Dimanche 31 juye 2022 a 4 mamb Institut National Formation Profesyonel ki tapre al bay examen pou l'ekol profesyonel nan Port-de-Paix, Departement Nord-Ouest blese an babal bandi aksam nan komune Gomo. Merci tout équipe Alter Press ak Alter Radio. Participation nan présentation Marie Farah Fortuné, Daphne Joseph, Kervins Adam Paul. Nan supervision c'était Ronald Colbert ak Emmanuel Marino Bruno. Nan mikwa avek ou c'était Jean-Élie Paul. Ou kab rekoute émission journal sa en podcast sou Mixcloud, Zeno FM, TuneIn, Apple, Spotify ak Google Podcast. Bye bye tout moun. 24 Jounal Alter Radio 24h, informasyon bezwen sou Alter Radio 24h.